élargir l'espace qui te revient de droit. Place.
tu peux tout, Seigneur. Tu peux tout. Ce matin, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta voix. Seigneur, ce matin. Seigneur, fais-moi voir ta voix. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alors ce matin, Seigneur, sauve dans ce lieu. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. On va le reprendre ensemble. Je reconnais que rien ne t'est impossible. Je reconnais. Dis-le de tout ton cœur. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais. Alors, Seigneur, ce matin, Seigneur, fais-moi voir ma gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Levons nos voix ensemble, alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire ce matin, alléluia. Oh, dans l'assemblée des justes, Seigneur mon Dieu, fais-moi voir ta gloire, alléluia. Seigneur mon Dieu, je veux entendre ta voix ce matin. Je veux entendre ton cœur ce matin. Je veux entendre, Seigneur mon Dieu, oh Seigneur mon cœur, battre au même rythme de ton cœur, Seigneur. Oh, je veux, Seigneur mon Dieu, que tu me prennes la main ce matin.
Oh, que tu m'emmènes là où tu veux, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur mon Dieu, je veux que chacun de nous, Seigneur mon Dieu, soit, oh Seigneur mon Dieu, touché par ta grâce ce matin. Oh, touché par tes bontés. Alléluia, tu viens, Seigneur mon Dieu, renouveler les cœurs ce matin. Oh Seigneur mon Dieu, que celui qui se dit faible, oh, puisse dire, Seigneur mon Dieu, je suis fort par celui qui me fortifie au nom de Jésus. Alléluia, que l'aveugle, Seigneur mon Dieu, voit ce matin. Oh, que le sourd entend ce matin au nom de Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, que le boiteux marche ce matin au nom de Jésus. Oh, manifeste-toi, manifeste ta puissance ce matin au milieu de nous. Oh Seigneur mon Dieu, comme nous le disons dans ce chant, oh, je reconnais que tu peux tout. Oh Seigneur mon Dieu, alors montre-nous qui tu es encore, Seigneur mon Dieu. Fais-nous voir, Seigneur, ta gloire ce matin. Alléluia, alléluia. Oh, sois béni, Seigneur, alléluia. Sois exalté, mon Dieu, alléluia. Amen, amen, alléluia, vous allez bien? Amen. Nous voulons souhaiter la bienvenue à ceux qui sont sur les réseaux sociaux, que vraiment ils puissent prendre place, alléluia, au milieu de nous, qu'ils puissent louer leur Dieu, qu'ils puissent vraiment, comme nous dans la salle, vraiment proclamer le Dieu trois fois saint, le Dieu tout-puissant. Que vraiment ils puissent vraiment adorer notre Dieu comme il en est digne. Alléluia. Ce matin, ne te prive pas. Alléluia. Toi qui es resté à la maison, oh, mets-toi à genoux si tu le veux, ou danse, ou ce que tu veux faire, fais-le pour ton Seigneur, ton Roi. Alléluia. Que vraiment, au milieu de nous, il n'y ait point de honte pour louer le Seigneur. Qu'on se puisse vraiment, si tu veux, sauter ou danser, et vraiment que tu sois libre. Alléluia. Ce matin, tu ne laisses pas les pierres crier. Alléluia. C'est toi qui cries ce matin que Dieu est bon, que Dieu est puissant, que Dieu est digne de louange. Alléluia. Ce matin, ouvre ta bouche. Loue ton Seigneur, loue ton Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous voulons prendre le psaume 26. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Si tu peux nous le projeter, s'il te plaît. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. Nous allons le prendre ensemble, le psaume 26. Alléluia. Vous êtes prêts? Alléluia, on se lève ensemble, on proclame ce psaume. Alléluia. Rends-moi justice, Éternel, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Fais passer au creuset de mes reins et mon cœur. Car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. Alléluia. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Alléluia. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence. Alléluia. Je ne vais pas autour de ton autel, ô Éternel. Alléluia. Je vais autour de ton autel pour éclater en action de grâce. Je t'entends pas. Je vais autour pour et raconter. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme dans les mains et la droite pleine de moi. Délivre-moi, aie pitié de moi. Alléluia. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Alléluia. Alléluia. Qu'une voix se lève ce matin pour bénir encore notre Sauveur. Alléluia. J'aimerais que ce soit promptement ce matin. Une voix se lève vraiment pour adorer Dieu. Alléluia.
Ne comptez pas simplement sur le groupe de louanges. Alléluia. Nous voulons aussi que l'Assemblée participe. Alléluia. Que l'Assemblée loue le Seigneur. Alléluia. Que vraiment, quand nous commençons à entonner des chants de louanges, de joie, Alléluia, que les voix se lèvent pour adorer Dieu, vraiment avec à l'unisson. Alléluia. Élevons nos voix ce matin. Alléluia. Qu'une voix se lève promptement. Alléluia. Glorifie ton Dieu. Avant qu'on commence à chanter. Alléluia. Alléluia. Y a-t-il une voix dans la salle? Alléluia. Élève ta voix. Alléluia. Alléluia. Offrons Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous avez des mains? Ton amour durera jamais. Tu veux me dire ça? Ton amour durera jamais. Je veux t'entendre. Ton amour durera jamais. À vous la salle. Chantons. Chantons. Au fond, Seigneur. Au fond, Seigneur, reconnaissant son amour. Jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Chantons. 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 D'une main tendue. D'une main puissante. D'une main tendue. Son amour durera jamais. Il nous donne. Chantons. 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 À jamais. À jamais je suis fidèle. À jamais je suis bon. À jamais je suis avec nous. À jamais. À jamais, à jamais, à jamais tu es fidèle, à jamais tu es bon, à jamais tu es avec nous, à jamais, à jamais, à jamais tu es fidèle, à jamais tu es bon, à jamais tu es avec nous. À jamais, à jamais, tu es prêt. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour. Son amour durera jamais. Son amour. Encore, je t'entends pas. Son amour durera jamais.
Alors chantons. Que la batterie, son amour durera jamais. Son amour, chante-le. Tu n'entends pas, son amour, alors chantons, 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 alléluia. Avec les enfants, chantons. Alors, à jamais Dieu, à jamais, à jamais. Alléluia, alléluia, des acclameurs de joie pour notre Seigneur ce matin. Alléluia, nous faisons monter notre louange. Alléluia, que Dieu soit loué, que Dieu soit adoré ce matin dans ce lieu. Alléluia, alléluia, je veux danser et louer ce matin. Je veux danser, louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Alors, son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour un fiancé. Alors, rempli du Saint-Esprit. Allez. Oh, 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 tout a forgé. Tout a forgé contre moi. Et nul est sans effet. Le ressuscité. Ressuscité vit en moi. Son nom. Son nom est Jésus. Tout a vengé. Tout a vengé contre moi. Et nul est sans effet. Le ressuscité. Ressuscité vit en moi. Alors son nom. Son nom est Jésus. Je suis né. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. De ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom. Son
Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Contre moi, et nul est sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom, son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit, je louerai, je louerai. Forgé contre moi, et nul est sans effet. Le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Tout a forgé contre moi, contre l'Église. Et nul est sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Et alors je louerai. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Dis à ton frère, ta sœur. Je louerai son nom. Je louerai, dis-lui à celui qui est à côté de toi. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Alléluia, alléluia. Que la gloire, alléluia. Que la gloire revienne à notre Dieu ce matin. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit adoré ce matin, oh, par le peuple de Dieu. Alléluia, dans l'assemblée des justes. Que Dieu soit loué. Alléluia. Oh, gloire à toi, mon Sauveur. Alléluia. 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 Tu peux encore l'adorer encore ce matin. Alléluia. Élève encore ta voix ce matin. Alléluia. Comme alléluia, à l'unisson, élevons nos voix ce matin. Alléluia. Élève ton Dieu ce matin. Alléluia. Oh, tu es digne de louange, Seigneur. Mon Dieu est ton, mon Dieu est puissant. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix, alléluia. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, me garde dans la vallée, me protège contre la pluie. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie, il règne éternellement. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes. Il déplace les montagnes. Me garde dans la vallée. La vallée. Me protège contre la pluie. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. C'est lui qui me guérit.
lui qui me fortifie. Il règne éternellement. Je veux que tu le répètes ce matin. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes. Me garde dans la vallée. Me protège contre la pluie. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. C'est lui qui me guérit. C'est lui qui me fortifie ce matin. Il règne éternellement. On va le répéter et on veut confesser ça ce matin. Mon Dieu est puissant. Puissant. Alléluia. Puissant. Puissant. Mon Dieu est puissant. Et puissant sauveur de l'univers, sauveur de l'univers, lui offre le salut. En lui je suis béni. Alléluia. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Il m'a tout pardonné. M'a tout pardonné. Par sa faveur je vis. Loué soit son saint nom. Alléluia. Mon Dieu est puissant. Il est puissant, puissant. Il est puissant, puissant. Seigneur de puissance, puissant. Mon Dieu est puissant, puissant, puissant. Alors il est puissant, tout puissant. Glorieux, puissant, c'est à Dieu
puissant, majestueux, 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 puissant, il est puissant, alléluia, guérissant, 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 il est puissant. Alléluia, commence à élever la voix ce matin, prends la victoire, c'est victorieux, 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 il est puissant. Alléluia, puissant, alléluia, gloire à Dieu. Victorieux, 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 c'est à Dieu, puissant. Alléluia. Tu veux le confesser ce matin, majestueux, 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 puissant, c'est un Dieu tout puissant, guérisseur, 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 Dieu guérit, guérisseur de l'âme, de l'esprit, alléluia, il est tout puissant, c'est un Dieu puissant. Il se révèle à toi ce matin. Il est digne, il est digne, il est digne de louange, il est Dieu puissant. Puissant, alléluia, victorieux, victorieux, alléluia, victorieux, victorieux, il lève ta voix ce matin, chante, alléluia, tout puissant. C'est un Dieu, toi le tout puissant, c'est un Dieu, toi le victorieux, c'est un Dieu, toi qui changes toutes choses quand tu rencontres, qui élève, alléluia, il relève ses enfants ce matin, il est tout puissant, toi le tout puissant, alléluia, 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 c'est un Dieu puissant, oh Seigneur, alléluia. Tu es digne de louange, mon Dieu, alléluia. Tu es digne d'adoration, alléluia. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, devant toi ce matin, je m'humilie, alléluia. Oh Seigneur, je viens, Seigneur. Oh, devant ta grâce, Seigneur, alléluia. Oh Jésus, tu es tout puissant. Tu es digne de louange, alléluia. Oh Seigneur, mène-nous là, Seigneur, où tu veux. Ce matin, Seigneur, mène-nous là où tu veux. Emmène-nous là où tu veux, oh Jésus. Ah, parce que tu es le Dieu puissant, alléluia. Seigneur, je veux, Seigneur mon Dieu, être toujours, Seigneur, près de toi. Toujours, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur mon Dieu, dans le creux de tes bras. Parce que c'est toi, Seigneur mon Dieu, qui me fortifie. Parce que c'est toi, Seigneur mon Dieu, qui me relève quand je suis faible. Parce que c'est toi, Seigneur mon Dieu, oh, qui me pardonne mes péchés. Parce que c'est toi, Seigneur, alléluia, oh, qui me purifie. C'est toi, Seigneur, qui se sanctifie. Alléluia, ce matin, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, alléluia. Élève-toi encore, Seigneur mon Sauveur, alléluia. Alléluia, oh Jésus, tout puissant. Tout puissant, 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 il est puissant, puissant, victorieux. Victorieux, 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 puissant, puissant. Pendant que la musique continue tout doucement, mon frère, ma soeur, élève ta voix, alléluia, alléluia, ne laisse pas, laisse pas la place pour les autres, élève ta voix, alléluia, élève ta voix, alléluia. Coda de shake de 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 de
Alléluia. Alléluia. Laisse-toi, abandonne-toi ce matin. Alléluia. Abandonne-toi dans les mains du Seigneur ce matin. Il n'y a que lui qui peut te lever ce matin. Il n'y a que lui qui peut te relever ce matin. Alléluia. Abandonne-toi complètement. Alléluia. Alléluia. Jésus, alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Pardonne encore, Seigneur, nos fautes ce matin. Oh Seigneur, nous nous humilions devant toi, Seigneur. Nous nous humilions devant toi, Seigneur, ce matin. Alléluia. Oh, devant toi, Seigneur mon Dieu, nous voulons, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur, nous agenouillons, Seigneur mon Dieu, de cœur. Alléluia. Nous courbons de genoux devant toi, Seigneur. Ces montagnes. Prends-le. Alléluia. 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 S'il y a une montagne devant toi ce matin, alléluia, dis à cette montagne, sors, ôte-toi devant moi. Alléluia. Je te l'ordonne ce matin. Sors de mon chemin, montagne. Alléluia. S'il y a une barrière devant toi, alléluia, tu déplaces cette barrière, alléluia, tu prends la victoire ce matin, alléluia, alléluia. Oh montagne, ôte-toi de mon chemin, barrière, ôte-toi de mon chemin, problème, ôte-toi de mon chemin, alléluia. Oh Jésus, alléluia. Alléluia. Sauve. Alléluia. Déplace les montagnes. Prends ce chant de tout ton cœur. Alléluia ce matin. Alléluia. Sauveur. Sauve les puissants. Pour toujours. Créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Chantons son. Jésus a vaincu la mort.
ressuscité. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie, resplendir, resplendir pour que le monde voie. Nous voulons proclamer la gloire de Jésus ce matin. Pour la gloire du pour la gloire roi ressuscité. Celui qui a vaincu la mort à la croix, resplendir pour que le monde entier puisse savoir qui est le Dieu puissant, qui est l'alpha et l'oméga. Et nous chantons pour la gloire pour de la Dieu gloire puissant. Alléluia, 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 gloire à Dieu, alléluia, gloire à notre Sauveur, alléluia, tu es digne Seigneur, alléluia, alléluia, qu'à toi seul revienne la gloire, l'honneur, alléluia, sois exalté mon Sauveur, sois béni, ô Jésus, alléluia, gloire à toi Jésus. Que ton nom soit élevé, mon Sauveur. Que ton nom soit élevé. Alléluia. 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 Ce chant pour notre Seigneur. Seigneur. Reçois notre adoration, Seigneur.
Reçois, Seigneur, alléluia. Reçois notre louange pour toi, Seigneur. Reçois notre louange pour toi, mon sauveur, mon roi. Alléluia. Avant de passer la parole pour la personne qui est prévue pour annoncer la bonne nouvelle, j'aimerais bien qu'il y ait deux voix qui se lèvent, qui remet le serviteur entre les mains du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et dire aussi merci pour ce temps. Alléluia. Où Dieu nous a conduits. Alléluia. Alléluia. Parce que ta parole est vérité et ta parole est vie. Seigneur, je te prie de prendre soin de lui. Quel camion que tu as prévu aujourd'hui. Seigneur, qui ne parle pas avec son intelligence, mais qui soit rempli de cet esprit et qui se laisse orienter, Seigneur, par l'esprit que tu as mis en lui. Le serviteur de Dieu, Françoise Zéquipré, que Dieu te bénisse, alléluia. Alléluia, j'ai enlevé mes papiers, que Dieu te fortifie, alléluia. Alléluia. Bonjour tout le monde, je suis bien heureux d'être dans cette salle parce qu'elle résonne bien, c'est bien insonorisé, c'est agréable à entendre. Que Dieu soit béni pour cette œuvre. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alléluia. Avant de commencer, j'aimerais bien prier quelques instants, si vous permettez. Seigneur, tu es le chef de l'Église. Et nous sommes tes serviteurs, tes enfants, tes brebis. Seigneur, c'est toi qui rassembles du quatre coins du monde ceux que tu t'es choisis. Seigneur, merci de nous avoir rassemblés ce matin ici et accepte, Seigneur, oui, le vase que je suis pour le remplir de ta volonté. Seigneur, et de bénir cette Église, bénir ceux qui vont écouter. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, nous t'élevons. Amen. 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 Ma question ce matin, c'est dans quel type d'église vous voulez être? Ça, c'est ma question.
mais ce n'est pas forcément la mienne en tant que François. C'est la question que Dieu nous pose souvent, très souvent. Parce que ce sont les âmes qui sont dans une église, qui font l'église. Ce n'est même pas le bâtiment, quelle que soit sa beauté. Mais c'est ce que nous voulons de l'église. Alors ce matin, j'ai juste choisi le titre en disant « La communion fraternelle ou la plateforme, oui, des projets de Dieu ». La communion fraternelle ou la plateforme des œuvres ou des projets de Dieu. Pourquoi ce thème ? Quel que soit ce que nous lisons, quels que soient les témoignages que nous entendons des églises, c'est dans la communion fraternelle que Dieu a toujours travaillé. Même si on prend Israël qui est son peuple, c'est dans une atmosphère qui est agréable à Dieu que Dieu a toujours travaillé, qu'il a fait ses projets. Quand Dieu n'est plus content de son peuple, il dit au serviteur qui est au milieu d'eux, sors du milieu d'eux. Sors du milieu d'eux que je frappe. Mais je ne le souhaite pas pour cette église. J'aimerais ce matin que ça soit plutôt Dieu remplisse ces lieux. Alors une plateforme, c'est juste, on le connaît, c'est une expression moderne aussi. Hein. C'est un lieu ou un quai, etc., où on rassemble des choses, où on met des équipements pour les distribuer. Alors, qu'est-ce que la communion fraternelle ? Nous la connaissons, en tout cas, nous en parlons souvent. C'est mettre en commun, mettre ensemble, mettre en association, plusieurs personnes, et dans cette association, ils vont avoir des relations. Des relations qu'on souhaite plus apaisées si on veut avancer, mais il peut y avoir des frictions. Parce que nous sommes des êtres humains et nous sommes différents. Dans l'Église de Dieu, on ne vient pas de même milieu, ni culturel, ni social, et nos caractères sont différents. Donc, ne craignons pas qu'il y ait des frictions. Il y a un proverbe africain, et plus exactement ivoirien, qui dit « Les arbres qui sont dans la clairière et qui sont bien espacés n'ont jamais de friction. » Par contre, les arbres qui sont en pleine forêt, qui sont serrés les uns aux autres, mais quand il y a du vent, ben ça se frotte. Quand ils poussent, ça se frotte. Donc, la communion fraternelle, c'est Dieu qui a appelé les siens et il les a rassemblés. Alors, souvent, on emploie le mot koinonia, bon, ça, c'est du grec, je ne vais pas m'étaler dessus. Mais prenons 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 9. 1 Corinthiens. Alors, j'ai une version qui est un peu embêtante, en tout cas celle que j'ai ramenée. 1 Corinthiens, chapitre. Voilà, j'ai dit 1, verset 9. Pardon. Vous l'avez trouvé ? Alors, moi j'ai le sous-titre à partir du 4, les bienfaits reçus en Christ. Je commence par le verset 8. C'est lui qui vous maintiendra ferme jusqu'au bout pour qu'on ne puisse vous accuser d'aucune faute au jour de sa venue. Verset 9. Dieu lui-même vous a appelé à vivre dans l'union avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est fidèle
à ses promesses. En union ici, c'est aussi la communion. C'est la communion, en tout cas, qui va être fraternelle ici, parce que ça commence depuis Dieu le Père jusqu'à nous. Donc la communion exprime aussi l'intimité et le contact qui doit exister entre Dieu et nous. Ça, c'est aussi la communion. C'est aussi la communion. Mais la communion sur laquelle je m'étale ce matin, c'est d'abord la communion entre nous, entre les enfants de Dieu. Lorsque nous prenons l'Église, lorsque nous prenons l'Église primitive, on voit que il y avait toute une série d'actions, et là je vais prendre plutôt un texte plus simple. Actes chapitre 2, verset 42. Actes 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Lorsqu'on lit ce verset, vous-même, suite aux virgules, vous pouvez déjà énumérer les différents points. Il y a l'enseignement de la parole de Dieu, il y a un lieu que les chrétiens partagent, qui est la communion. Ils partageaient le pain. Souvent, on pense que c'est que la Sainte Cène, mais il y avait aussi le repas du Seigneur. Ils prenaient aussi souvent dans les maisons les repas ensemble. Et ils priaient. C'est le quatrième point. Et ils priaient. Mais si on les prend un en un pour parler de l'enseignement. Lorsqu'on est baptisé, oui, c'est dans un enthousiasme. Mais est-ce qu'on sait tout de Dieu? Non. Et même, on ne saurait jamais tout. Mais quelle que soit l'Église, elle a besoin d'avoir des hommes et des femmes, en tout cas accomplis, mûrs, et même dont les relations sont harmonisées. Si on n'a pas un enseignement solide, mais chacun vient, il prend sa doctrine ou il prend son opinion comme étant des doctrines et il impose souvent aux autres, en tout cas selon les caractères. Mais lorsque dans une église on enseigne déjà on arrive à avoir une vision commune. Et ça c'est important, avoir la vision commune. Parce que si on n'a pas la vision commune, celui qui est à la tête de l'Église, il va souffrir. Parce que chacun tire de son côté et après, les choses se passent mal. Mais je dirais, l'enseignement, c'est amener l'harmonie. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Comment on peut s'aimer si on ne sait même pas comment on s'aime? Donc là aussi, on l'apprend dans l'enseignement. On apprend, c'est vrai, il y a le côté enseignement, mais je parle aussi d'un espace, la communion fraternelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va des rapports que nous allons avoir, ça va de prendre des nouvelles des uns et des autres, mais ça va pour entretenir la vie de l'Église. Parce que l'Église... On dit toujours c'est l'épouse de Christ ou l'épouse de Dieu. Ça veut dire qu'elle a une vie, elle vit. Si au milieu de nous, on n'a pas de relation, ça va être difficile. Moi, je me souviens il y a quelques années en arrière, et je suis souvent triste lorsque je le dis. On avait quelqu'un qui était malade, en tout cas dans une église, et... Elle souffrait, ne sortait plus. C'est juste la veille de sa mort qu'on découvre qu'elle existait. Et ça, c'est dommage. Dans le monde, nous le voyons. Il y a des gens qui meurent depuis plusieurs mois, et puis on découvre plus tard que ça fait longtemps que le corps a séché, etc. Mais est-ce que c'est l'idée que nous voulons transmettre en tant qu'Église?
Je ne le crois pas. Donc, il faut entretenir cette communion. La communion, ce n'est pas une invention de l'homme. Ce n'est pas une invention de l'Église elle-même. Lorsque nous prenons Dieu, le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, on voit qu'ils ont toujours travaillé ensemble. Même même avant qu'on crée l'univers, on parle d'un Dieu, mais on parle aussi de la parole de Dieu qui était Dieu. Et c'est avec la parole que la création va être faite. Alors on voit déjà que ça remonte à là. Mais même lorsque Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image », il aurait pu se contenter de dire « Je fais l'homme à mon image ». On dit « Faisons l'homme à notre image ». Plus on avance, plus on voit cette catégorie, on voit que Dieu a souvent travaillé en harmonie avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La preuve, c'est que quand le Fils est parti, il a dit « Je vous enverrai le Consolateur ». Mais il a dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin ». Ben, s'il veut être avec nous jusqu'à la fin, comment se fait-il qu'il va revenir ? Parce qu'il est parti. Donc le Saint-Esprit est aussi occupe sa place. C'est un travail harmonieux. Et ce travail, l'Église doit prendre aussi sa part d'exemple sur la personne de Dieu même. L'Église doit prendre sa place. Entretenons la communion fraternelle. Hein, c'est aussi... Tout à l'heure, j'ai dit, troisième point, oui, partager le pain ou la Sainte Cène. Alors ici, je n'ai pas vu, donc je ne peux pas dire qu'il y a la Sainte Cène qui est partagée aujourd'hui. Mais je sais aussi que vous avez des relations entre vous. Moi, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, j'étais malade. Votre pasteur n'a jamais cessé de m'appeler, n'a jamais cessé de me visiter. Donc, je sais aussi qu'il y a cette communion. Mais entretenez-la, parce que vous avez plus de 300 places ici. Je ne vous fais pas peur, parce que ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ça va être rempli. C'est ma confession en tant que serviteur, en tant qu'enfant de Dieu, parce que c'est Dieu qui remplit. Pourquoi je vous dis ça? Imaginez-vous à la Pentecôte. 3000 personnes du premier coup. 3000 personnes. Mais avant la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on met toujours l'accent sur la Pentecôte. Mais avant la Pentecôte, ils se sont retrouvés. Ceux qui sont restés fidèles à Jésus, puisqu'il leur avait dit d'attendre que le Consolateur arrive. Ils ont entretenu cette relation de la communion fraternelle. Imaginez-vous des gens qui sont au même endroit en permanence pendant pratiquement une bonne dizaine de jours. S'ils ne sortent pas, s'ils ne vont pas s'aérer et qu'ils sont les uns sur les autres, ça ne sera pas toujours tendre si on n'a pas la même vision des choses. Si on n'attend pas la même chose, si on ne s'applique pas à ce que notre travail marche. Parce que c'est aussi un travail. Vous êtes là pour attendre, oui, mais ce n'est pas pour attendre et puis vaquer à n'importe quelle occupation. Ils avaient une vie spirituelle et une vie communautaire. On le voit souvent, on dit que plus tard, hein, je dis bien plus tard, pour les disciples, tout le reste des disciples, ils vont mettre les choses en commun. Ça, c'est l'Église primitive, mais je n'en suis pas encore là. Je reste sur ce qui s'est passé à la chambre haute, à la Pentecôte. Est-ce que nous pouvons servir Dieu objectivement si on ne le connaît pas? Est-ce que nous pouvons avoir une relation entre frères
de relations sérieuses, solides, si nous ne connaissons pas notre Dieu. Je vous envoie Jean chapitre 4, au verset 23 à 24. C'est un élément sur lequel Satan va souvent revenir. Parce que celui qui connaît son Dieu, c'est quelqu'un qui est solide. Celui qui connaît son Dieu, si on est là, si nous connaissons notre Dieu, alors on souffrira pour notre Dieu. On souffrira pour notre Dieu parce qu'on sait qu'il est fidèle et on sait qu'il ne va pas nous faire travailler pour rien. Donc j'ai dit Jean chapitre 4, verset 23 à 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Adorer Dieu, ce n'est pas de mettre en avant notre culture, parce que si c'est ça, on ne sera pas assez varié ici. Ce n'est pas mettre en avant notre caractère ou notre éducation, parce que nous n'en avons pas à l'origine tous ensemble. Mais ici, par le biais du Saint-Esprit, nous allons être harmonisés. C'est l'Esprit même qui va faire son dépôt en nous pour avoir une vue commune. Mais j'aimerais bien lire Jean chapitre 17, verset 1. On va prendre le verset 2 à 3 pour la connaissance de Dieu. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oui, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc notre vie, ce n'est pas d'être chrétien et de nous en contenter. C'est connaître notre Dieu, c'est connaître le Christ. Et si on le connaît, nous n'aurons plus la même façon de le servir. Quand bien même il aurait des difficultés, nous savons que notre Dieu est fidèle. Et celui qui est fidèle, quand je sais que j'ai un ami fidèle, s'il me dit qu'il vient, même s'il est minuit, il m'a dit aujourd'hui qu'il va venir, il viendra. Il en est de même pour Dieu, même au milieu de nos difficultés. Nous avons toujours l'habitude de dire, Dieu n'est jamais en avance ni en retard. Quand nous le disons, c'est que nous avons la conviction, nous avons un passé avec Dieu. Nous avons des expériences avec Dieu. Donc, on sait que même dans la maladie, Dieu sera au rendez-vous. Sauf s'il nous a donné la conviction que l'heure est venue de partir. Je vous donne mon exemple. J'ai été malade, les choses étaient compliquées, mais je n'avais pas peur outre mesure. Je n'avais pas peur. Même mon frère, il venait aux nouvelles, il priait. D'autres hommes de Dieu priaient. Mais je sais que ce n'était pas le temps. Je me suis mis devant Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, je croyais que tu avais un projet pour moi. Alors, est-ce que j'ai fini? Si j'ai fini, bon, bah, ça y est, je rentre à la maison. Mais si je n'ai pas fini, alors donne-moi la force. Donne-moi la force de tenir. Je bénis Dieu parce que ma femme aussi était dans la même vision de choses. Elle était en paix. Et lorsque j'étais même sur la table d'opération, avant qu'on m'endort, je plaisantais déjà avec les chirurgiens.
Je leur disais, bah, écoutez, je suis en paix, j'attends que vous terminiez. Je vous féliciterai quand je vais me réveiller. Je dis cela pour rappeler encore que notre Dieu est un Dieu qui est fidèle et bon. Et notre objectif, c'est de le connaître. C'est de le connaître. C'est de le connaître. Parce que si on ne le connaît pas, alors nous aurons des difficultés. Je vous donne 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5, pour montrer ce que le diable, lui, y cherche en permanence. Pardon. J'ai dit 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Selon les versions, nous suivons. Là où nous devons résister, c'est que le diable ne gagne pas à ce que nous perdions de vue notre objectif, qui est de connaître Dieu. Si on veut te mettre en complication avec un ami, on te raconte toujours des histoires sur lui pendant un certain temps. On dit, tu vas voir, il n'est pas ce qu'il dit, il n'est pas ce qu'il croit, ce que tu crois, jusqu'à ce que le doute pénètre. Mais c'est ce que le diable fait aussi. Et il est dit ici, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Dans notre communion fraternelle, c'est de nous exhorter les uns les autres pour que le doute ne nous gagne pas. Que le doute ne nous gagne pas. Les forteresses, ce sont nos pensées, c'est ce que le monde nous inculque, c'est ce que nous entendons, c'est ce que même les chrétiens non affermis peuvent dire. Mais ceux qui sont affermis, nous devons combattre et renverser les raisonnements pour que nous soyons toujours fermes dans les voies de Dieu. Je vous donne un exemple. Souvent, quand il y a des événements qui passent, il y a des prédicateurs des derniers temps. On vient toujours, ah ben oui, l'Antéchrist, il est à la porte, il va venir. Mais de vous à moi, est-ce que vous croyez que c'est hier qu'on a dit ça? Ça ne date pas d'hier. Même les chrétiens de l'Église primitive, ils ne travaillaient même plus. C'est pour ça que Paul va dire, après, celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Donc, il y a un temps déjà depuis 2000 ans, en gros, où les gens, ils attendaient toujours. Le Messie va revenir, donc ça ne sert à rien. Mais quand nous lisons la Bible même, on s'aperçoit que avant même que le Messie ne revienne, l'Antéchrist va venir. Mais quand il va venir, en quoi ça nous regarde de l'empêcher de venir? C'est une question que je vous pose. En quoi ça nous regarde de l'empêcher de venir, puisque c'est Dieu lui-même qui l'a annoncé qu'il va venir. Donc c'est son affaire. Là où Dieu nous attend, c'est d'être ferme dans nos voies. C'est de tenir. Parce que quand il va venir, lui, il va nous persécuter l'autre. Mais si tu ne tiens pas dans ta foi, tu vas abandonner. Alors que tu as deux doigts d'aller avec ton Créateur. Donc les forteresses, ça va aussi jusque-là. Notre préoccupation, ce n'est pas de penser à l'Antéchrist tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Notre préoccupation, Matthieu 28, 18 à 20, dit aussi que nous devons annoncer la bonne nouvelle. Quand on l'appelle la bonne nouvelle, ce n'est pas pour être inquiet. Quand on dit bonne nouvelle, ce n'est pas pour que nous soyons inquiets. Donc, je vous encourage à ne pas écouter des bruits qui nous découragent toujours, de dire l'Antéchrist va venir, on va souffrir. Ça, on le sait, mais avant nous-mêmes, il y a des gens qui ont souffert. Il y en a même qui demandaient à ce qu'on les crucifie différemment que le Christ.
Parce qu'eux, ils savaient où ils allaient. Il y en a même, on l'a, le premier des martyrs, on l'a lapidé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a même prié pour ceux qui le lapidaient. Je parle d'Étienne. Est-ce que ça, c'est dans les cordes d'un homme normal, on va dire ordinaire? Non. C'est quelqu'un qui est rempli de Dieu. Notre préoccupation, c'est d'être rempli de Dieu. C'est d'être rempli de Dieu. La communion fraternelle, est-ce que quand on en parle comme ça, on a l'impression que c'est facile? Mais je compare ça à une marmite ou à un creuset du fondeur, hein, de fer, de pierre précieuse ou de l'or, etc. C'est un creuset. C'est là où Dieu va nous fondre, en tout cas enlever tout ce qui était des souillures en nous ou qui n'était pas agréable en nous ou des mauvais plis que nous avons pris. Et ça peut être une épreuve d'être entre frères et sœurs. J'avais donné tout à l'heure l'exemple d'un arbre ou des arbres qui se frottaient. Mais il en est de même dans l'Église. C'est un lieu où on ne vient pas ici pour dire « moi, je ». Ça, c'est le principe. Mais est-ce que vous pensez qu'il n'y aura pas des gens au milieu de nous qui seront un but de leur personne? Il y en aura jusqu'à ce qu'ils soient transformés. Mais c'est d'abord un lieu d'humilité. La Bible dit « soyez soumis les uns aux autres ». Considère ton frère supérieur à toi. Est-ce que ça, c'est facile? Non, ce n'est pas facile. Mais si je considère mon frère qu'il est supérieur à, hein, qu'il est supérieur à moi, et puis lui, dans sa pensée, il agit de même, mais on n'a même plus de guerre à livrer. Puisque chacun s'est désarmé, chacun a posé son arme. J'ai dit, mon frère, tu es mieux, je te sers, je m'occupe de toi. Si je te vois, bon, je ne te vois pas, je t'appelle, etc., pour prendre tes nouvelles, etc. Toi, tu fais de même. L'harmonie va s'installer. Donc, ce n'est pas un lieu où on doit entretenir notre orgueil, mais de nous dépouiller. C'est un lieu où on doit être vrai avec Dieu. Vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira. Moi, c'est une histoire qui m'a toujours impressionné. J'ai dit, c'est leur bien, ils sont propriétaires, ils vendent. Au lieu de dire, j'ai vendu, j'ai gagné 1000 euros, je vous donne 500 euros et puis le reste, je garde. Ils viennent, ils donnent une partie et puis ils disent, voilà, c'est tout ce qu'on a. Et ils en sont morts. Est-ce que ça valait la peine de mourir pour ça? Mais des fois, nous le faisons. Hein. Là, j'ai donné cet exemple. Mais des fois, on le fait. Aujourd'hui, Dieu ne fera pas systématiquement comme on l'avait vu dans le temps. Mais si nous entretenons les demi-vérités, être sur la corde raide, etc., le pasteur ne voit pas, les anciens, les autres, le frère ne voit pas, mais Dieu voit. Est-ce que l'Église peut prospérer? Non. D'abord parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec n'importe qui. Dieu ne partage pas sa gloire avec n'importe qui. Si dans le fruit il y a le ver, Dieu peut attendre. Dieu peut attendre que le ver ne soit plus là. Le ver, ça peut être quelqu'un même qui est en vue. Hein. Quelqu'un qui est en vue. La communion fraternelle est un lieu d'épreuve. C'est un lieu de purification.
Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, versets 6 à 7. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Je relis juste ce verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous entretenons une vie de sanctification dans l'Église et même dans notre couple, dans notre foyer, la Bible explique ici que nous sommes en sécurité. Nous sommes en sécurité parce que le sang de Christ nous protège. C'est au moment où nous sommes sanctifiés. Ce n'est pas en faisant des incantations, en disant « Au nom de Jésus-Christ, je me couvre du sang de Jésus. » Oui, mais si dans ta cuirasse, il y a un trou, tu peux dire le sang de Christ. Ce n'est pas une formule magique. C'est que devant Dieu, tu ne mérites pas d'invoquer ce nom. Si nous disons le sang de Christ, alors prenons au sérieux le sang de Christ. Quand on avait publié la Passion de Christ, il y a beaucoup de gens qui se sont énervés pour dire « Ah, vous aimez trop le sang, vous les chrétiens. » Oui, parce qu'ils ne lisaient pas la Bible comme nous on la lisait, où Jésus, il saignait de partout. On ne voyait pas ça. Et même à la croix, au dernier moment, quand on l'a percé, il n'y a que de l'eau qui est sortie. Ça veut dire qu'il n'avait plus de sang. Il avait tout versé. Donc quand nous disons le sang de Christ, la souffrance qu'il a endurée, ce n'était pas n'importe quoi. Donc nous devons aussi prendre au sérieux cela, parce que ça va nous protéger. Le sang de Christ protège. Mais pour les gens qui s'appliquent à respecter le sang de Christ, à se sanctifier, que Dieu soit béni. Notre purification est notre marche dans la lumière. Celui qui se purifie, il marche dans la lumière. Celui qui ne se purifie pas, il marche dans les ténèbres. Si tu as connu la lumière et que tu connais les ténèbres, tu sais ce que c'est. Quand vous quittez, moi personnellement, je vais souvent maintenant en Afrique, mais quand on a l'habitude d'avoir la lumière partout ici, et puis on va dans un village éloigné, et puis il n'y a pas de lumière, on voit ce que c'est. Mais même sans aller si loin, si on nous coupe l'électricité, pour une raison X, il y a la coupure, on sent la différence. Mais il en est de même dans notre vie spirituelle. Quand on n'a plus la communion avec Dieu, on est dans les ténèbres. On n'est pas en sécurité. Vous, peut-être certains ne l'ont pas vécu, mais nous sommes des humains. Tout à l'heure, on a lu un texte. Celui qui dit qu'il n'est pas pécheur, c'est un menteur. Il nous arrive, à un moment de notre vie, de flancher et on voit la différence. Quand quelqu'un n'a rien à se reprocher dans son cœur, il marche avec des pas vraiment sûrs, même devant le danger. Tu sais que tu n'as rien à te reprocher. Donc, tes pas sont certains. Mais quand tu sais que tu as déjà beaucoup
de casserole derrière, comme on dit. Tu as peur qu'on les découvre. Tu as peur qu'on les découvre. Donc tu ne seras jamais en paix. D'ailleurs, les brigands, c'est ce qui font qu'ils deviennent des criminels de plus en plus. Parce que s'ils savent qu'ils ont déjà trempé dans quelque chose, et si on les découvre, ça va mal se passer, ils croient couvrir leur premier mal par un autre mal, et après, ils sont sur des monticules de dégâts, de péchés, etc. Soyons des hommes et des femmes qui se servent de notre communion fraternelle pour nous améliorer les uns les autres. C'est un homme, comme on dit, le fer aiguise le fer. Je dirais, c'est un homme qui améliore un homme. C'est quelqu'un, c'est une femme qui va améliorer son homme, sa sœur, etc. Mais sachons-le, quand on vit avec quelqu'un, c'est celui qui va t'améliorer. Ou s'il ne craint pas Dieu, il va t'enfoncer. S'il ne craint pas Dieu, il va t'enfoncer. Alors imaginez-vous, nous qui disons que nous craignons Dieu. Si je mets mon frère en valeur, qui me met en valeur, hein, ma sœur, je la mets en valeur. Mais est-ce que vous vous imaginez le témoignage qui est dehors quand ils vont nous voir? Ils vont dire, ils ne sont pas pareils ceux-là. D'ailleurs, au début, c'est ce qui s'est passé. Les incroyants, ils se méfiaient au début de la pureté des premiers chrétiens, les premiers disciples de Jésus. Mais petit à petit, d'ailleurs, c'est eux qui vont leur donner le nom de chrétiens. Et puis, on voit l'histoire de la Pentecôte, on a vu, les gens vont venir quand Dieu va agir, parce que ceux que Jésus avait choisis étaient fidèles dans leur voie. Si nous sommes dans notre voie, dans la voie de Dieu, si nous restons fermes, Dieu enverra d'autres personnes, en tout cas nous approcher. On n'a pas besoin de se fatiguer. On n'a pas besoin. Parce que c'est Dieu qui crée son Église, mais c'est Dieu qui pourvoit pour son Église. Je ne suis pas en train d'enfoncer des portes ouvertes. On connaît l'histoire de l'Église. Je connais l'histoire. Vous vous souvenez de Yong Gi-cho, le Sud-Coréen? Il avait trouvé un mécanisme de prière, hein, des cellules de maison. Lui, il avait des milliers de membres. En France, on a utilisé les cellules de maison. Est-ce qu'il y a des églises qui ont des milliers et des milliers? Non. Donc, ce n'est pas une question de formule. C'est une question de suivre son Dieu, et Dieu fait le reste. Cette église, je prie Dieu que Dieu amène les âmes. Que Dieu amène les âmes. Parce que ce sont ces âmes. Et ce que Dieu fait dure dans le temps. Ce que Dieu fait dure dans le temps. On connaît la Pentecôte, depuis la Pentecôte, il y a des années qui sont passées. Il y a des églises qui foisonnent partout. Même Jésus avait dit, on ferait mieux que lui. La preuve, c'est que les quatre coins de la terre sont remplis de chrétiens. Les quatre coins de la terre sont remplis de chrétiens. Donc, Dieu ne nous a pas menti. Oui, il y a des difficultés, il y a des tribulations, etc. Mais il a dit, je suis avec vous, je serai avec vous jusqu'à la fin. Et nous, c'est ça qui doit nous maintenir dans notre foi. C'est ce qui doit nous maintenir. J'ai déjà parlé de la divination, hein, la divinité, l'harmonie, etc. J'ai parlé aussi de la Pentecôte. Dieu a créé son Église, il s'en est occupé. Ce qui est né de Dieu, j'ai dit aussi que ça réussit.
Et juste pour rappeler quelques points avant de conclure. Ah, il n'y a pas de... Je n'ai pas l'heure, hein. Excuse-moi. Oui, parce que si vous ne me donnez pas l'heure, moi je peux... Ah oui, d'accord, merci. Il est à 11h33. D'accord. Juste rappeler avant de conclure. La communion fraternelle ou la communion tout court à ses exigences. Quand on vit en communauté, pour que ça marche, chacun doit mettre un peu d'eau dans son vin, comme on dit dans le langage courant. Mais je l'ai déjà dit, on doit se soumettre les uns les autres. Mais avant de nous soumettre les uns les autres, on doit être engagé véritablement avec Dieu. On ne vient pas à l'église comme on va dans un club de thé pour boire, on paye, et puis on boit, et puis on est parti. Non. L'église, c'est un engagement à vie. Peut-être les gens, ils ne savent pas ça. Mais c'est un engagement à vie. Parce que si tu combats le bon combat et tu n'arrives pas jusqu'au bout, tu auras fait tout ça pour rien. Tout ça pour rien. Donc, on est obligé d'aller jusqu'au bout. D'ailleurs, la parole le dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Si tu as bien commencé et que tu as mal terminé, tu n'as rien fait. Donc, si tu as commencé, applique-toi jusqu'au bout. Surtout que le jusqu'au bout, c'est que tu ne sais même pas, après ta mort physique, où tu vas atterrir. Donc, l'Église te donne déjà la recette de ce qui vient après. Beaucoup de gens n'ont pas cette espérance. Je ne sais pas si vous allez sur les médias, il y a beaucoup d'artistes, des gens célèbres qui se suicident. Ils ont l'argent, mais ils se suicident. Tu dis, c'est pas possible. Moi, j'aimerais avoir la moitié même ou le dixième de ce qu'il a pour payer mes factures, etc. et bien vivre. Oui, mais ils ont tout ça. Et pour x, y raison, il se tue. J'ai vu le témoignage d'une jeune femme qui faisait les réseaux sociaux. Oui, quand elle était sur les réseaux sociaux, elle parlait. Bon, quand on sait, la vapeur s'est renversée, quand elle, à son tour, on l'a accusée, elle s'est suicidée. Parce qu'on l'avait traitée de tous les noms. J'ai dit, c'est dommage. C'est dommage, parce qu'elle aurait pu être aidée par quelqu'un pour dire ben, « Est-ce que tu te souviens que toi aussi, tu as dit des choses ?» Et les gens, ils sont encore vivants, donc oublie ça. Si tu veux, sors du réseau, hein, du réseau social et puis gère ta vie maintenant autrement. Nous connaissons la fin, nous savons où nous allons. Donc, tenons bon jusqu'au bout. L'Église n'est pas un distributeur automatique, ni un supermarché, etc., etc., où on vient, où on se sert et on s'en va. Si on agit comme ça, on va tourner en rond. C'est-à-dire, spirituellement, on ne va pas mûrir. Parce que quand on est quelque part et on est engagé, on prend des responsabilités, on fait nos erreurs, mais on avance. On s'affermit dans sa foi. On s'affermit. Mais si on prend que ce qui nous intéresse, d'abord, on ne sera pas crédible. Personne n'aura envie de travailler avec toi, en tout cas de façon sérieuse. Donc, que notre engagement soit ferme. Quand on prie et qu'on ne s'entend pas, je ne suis pas sûr que Dieu puisse nous exaucer. On dit souvent, là où deux ou trois sont unis en mon nom, je suis au milieu d'eux. S'ils intercèdent, bon, Dieu va répondre. Mais c'est quoi? Est-ce que c'est un rassemblement géographique ou c'est un rassemblement dans le cœur, véritablement? Moi, je suis pour penser que c'est dans nos émotions.
J'aime mon frère, il m'aime, il a un sujet de prière, on se met à genoux. Ça va marcher. Parce que je ne vais pas prier avec légèreté, comme un moulin à vent. Non. Seigneur, viens à notre secours. Viens à notre secours. Et quand vous avez vécu ça, des gens qui prient pour vous, comme s'ils étaient concernés par votre vie, vous de même, vous devez prendre à cœur le problème des autres. Et l'Église, elle est faite pour ça. L'Église est faite pour prendre à cœur les problèmes des gens. Il y a des enfants ici. Imaginez-vous demain, quand dans 10, 15, 20 ans que ces enfants ont grandi, ils sont toujours dans les voies de Dieu, vous ne les entendez pas enfermés à la police, des choses comme ça. Le témoignage, il est immense. Il est immense. Or, ça doit être notre préoccupation. D'abord, en tant que parents, mais en tant que responsables d'Église. J'ai parlé de la soumission, de la communion fraternelle. J'aimerais juste souligner une chose. Et ce sera la fin. Souvent, on dit, remplissons notre église. Remplissons notre église. Oui, je l'ai déjà dit. Mais je vois ici, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et le Seigneur ajoutait chaque jour. C'est dans Acte 2, verset 47. Même si je prends à partir du verset 46, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Une fois, j'ai écouté le témoignage d'un homme de Dieu, un Nigérian, pour certains, ceux qui vont sur les réseaux sociaux, Bishop David Eyedepo. C'est quelqu'un qui a des universités, une grosse église. Il dit, lorsqu'il a cherché la face de Dieu, Dieu lui a dit, nourris les brebis et entretiens les brebis. Et elles ne partiront pas. D'autres même vont s'ajouter. Ça veut dire, ceux que tu as déjà sous la main, est-ce qu'ils sont bien? Est-ce que vous qui êtes entre vous, est-ce que vous êtes bien? Si vous êtes bien, alors d'autres auront envie de se joindre à vous. Parce que c'est un témoignage, quand on est bien entre nous. Dans cette ville, moi je l'ai vécu et je le répète souvent, il y avait une sataniste qui était venue dans l'église. Ce n'est pas ici, c'est à côté. Elle est venue, elle était même du Front National de l'époque, et il faisait des messes noires dans cette ville. Elle arrive dans l'église, il y avait des Asiatiques. C'est les moments où j'ai aimé même l'église, hein, ici à Troyes. Il y avait des Asiatiques, il y avait des gens de toutes les couleurs, des métis, tout. Et au niveau social, au niveau des rangs, il y avait tout. Que ce soit depuis l'officier de l'armée jusqu'au juge, jusque des enseignants, etc. L'église, il y avait un peu de tout. La jeune femme, elle arrive là, avec ses préjugés, mais elle voit qu'entre nous, il y avait la paix. Elle s'est convertie. Elle s'est convertie. Les pasteurs de l'époque ont été brûlés ces livres, comme on l'a fait aussi dans la Bible. Ils ont été brûlés ces livres d'incantation et tout. Mais tout simplement, elle a vu, parce qu'elle dit non, parce qu'on m'a dit que les Noirs,
ils ne sont pas des vrais chrétiens. Ou un tel, non, 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 ils sont d'Asie, ils ne connaissent pas Dieu. Donc, on l'avait entretenu dans cette atmosphère. Mais juste le témoignage qu'il a vu de ses yeux, qu'elle a entendu, elle s'est convertie. Je prie Dieu qu'il y ait une harmonie au milieu de nous, ici, dans cette assemblée. Je prie Dieu que vous preniez à cœur les préoccupations des uns et des autres. Je prie Dieu que Dieu lui-même vienne au secours de cette Église et qu'il la remplisse. Oui, vous avez suffisamment de place, mais Dieu pourvoira. Je le dis avec mon âme, je le dis dans mon cœur, je le dis en tant qu'enfant de Dieu. C'est ma bénédiction pour cette assemblée. Mais entretenez la communion fraternelle. Que Dieu nous aide, que Dieu vous aide à avoir cette communion fraternelle. Que le problème de ton frère soit ton problème. Que le problème de ta sœur soit ton problème. Et Dieu, voyant l'amour, voyant bien les préoccupations des uns et des autres, il ne dira pas, comme il a dit à d'autres serviteurs, « Vous avez blasphémé mon nom au milieu des incroyants. » Quand on blasphème le nom, dans notre conduite, le nom de Dieu, au milieu des incroyants, Dieu se fâche. Ne soyons pas de ceux-là. Afin que l'Esprit de Dieu mette dans cette assemblée les projets de Dieu. Que l'Esprit de Dieu rassemble ceux que Dieu s'est choisi dans cette ville et qu'il veut ramener ici. Oui, il y a des églises, mais la différence sera en ceux qui vont s'occuper des âmes. Ce n'est pas dans le nombre des églises. Les églises, il y en a. Mais si ici on s'occupe des âmes, Dieu lui-même enverra ses enfants. Prions. Si vous voulez, nous allons nous lever, nous allons prier. Notre Dieu. Seigneur, nous avons soif de ta présence. Nous avons soif, Seigneur, que tu sois le centre de nos vies et de cette Église. Seigneur, tu nous connais, tu connais chacun d'entre nous avec nos faiblesses, mais aie pitié de nos faiblesses et regarde à notre désir, Seigneur, de te plaire. Je te confie, Seigneur, les responsables de cette Église. Merci de les remplir de ton onction, de la présence de l'Esprit de Dieu, de la vision de l'Esprit de Dieu. Ô Seigneur, merci pour toutes les femmes avec leurs enfants qui sont ici. Parce que contrairement à ce que les hommes peuvent penser, quand je dis les hommes, la société, la femme reste le pilier de la famille. La femme reste le pilier de la famille. Quand une femme éduque bien ses enfants, son mari est respecté à la porte de la ville. Mais si il y a du désordre, alors l'homme est léger, quel que soit son titre. Seigneur, je prie pour les femmes de cette Église, qu'elles soient attachées à leur foyer, qu'elles soient attachées à l'éducation de leurs enfants, qu'elles soient attachées à l'image de leur mari. Seigneur, pour le bien de toute la famille, mais surtout pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, amen. 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 Vous avez été bénis. Amen. Nous voulons encore acclamer pour le serviteur du Seigneur et
acclamer Dieu aussi pour ce message. Alléluia. C'est vrai, notre désir, c'est que de voir l'Église grandir, mais voilà, que cet amour, l'amour de Dieu, vienne vraiment toucher nos cœurs. Alléluia. Amen. Je vais passer la parole à Serge pour les annonces. Alléluia. Bonjour tout le monde. Est-ce que nous sommes contents d'être ici ce matin? Est-ce que nous pouvons acclamer encore royalement pour la parole qui est sortie? En tout cas, moi, je suis béni ce matin d'entendre un tel message. Par la même occasion, nous allons offrir au Seigneur, nous allons apporter nos offrandes. Tu vas tenir dans ta main ton offrande et tu vas prier pour ton offrande. Tu l'envoies en mission. Tu vas prier pour ton offrande. Amen. Nous prions. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton immense amour. Merci de nous avoir gardés, protégés. Merci d'avoir pourvu, Seigneur, au Père, afin que nous puissions apporter dans ta maison. Bénis nos finances, bénis chacun d'entre nous ici présents. Donne-nous de nous réjouir en toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à tous ceux et celles qui nous ont suivis sur nos chaînes YouTube et Facebook. Merci de nous avoir suivis. Excellent dimanche à vous et que Dieu vous bénisse. Amen. Nous aimerons te souhaiter la bienvenue, toi qui nous rends visite ici pour la première fois. Y a-t-il...